Moi, jouer technique, t'es tactico là un peu. Alors, je vérifie un peu. On peut pas passer, d'accord. Excusez-moi, mais je vais repartir au feu de camp. Parce que là, deux fioles d'estus, non. Je dis non. Attends, on va voir si on peut pas aller augmenter des trucs chez le. Alors, on va aller à Majula. Majula, là. On va s'écouter un peu de musique de Majula. Oui, petite pause, 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il se dit dans le stream? Ah, ça serait pas beau des streams avec moi, là? 8 heures de triclos de rang. Alors, franchement, pas besoin d'attendre la vidéo. 8 heures de triclos de rang qui raconte n'importe quoi. Il y en a qui paieraient cher pour voir ça, je vous le dis, moi. Enfin, je sais pas. Attends, on va se faire un joli plan. Alors, j'adore ce plan-là, là, sur la mer. J'ai pas la posture pour me mettre à genoux. Ou en tailleur. Mais attends, il y a meilleur plan. Je sais qu'il y a meilleur plan. Alors, meilleur plan. On va aller. J'aime bien cet endroit. Là, c'est beau. Là, le soleil est beau. Regardez-moi ça. Attends, mais mets-toi bien stylé, là. Oh, oh, oh. Ben, un joli plan, là, comme ça, là. Avec, voilà. Voilà, ça, c'est beau. Ça, c'est du beau plan. Alors, voilà. Je crois qu'il y a une vidéo sur YouTube où il y a genre la musique de Majula en boucle pendant 10 heures. Le truc, il a 1 million de vues. Mais oui, mais pourquoi pas? Après, il faudrait peut-être faire la même chose avec la musique de Resident Evil 4. Là. Pas le remake. Non, me parlez pas du remake de Resident Evil 4, s'il vous plaît. J'ai la haine contre ce remake de Resident Evil 4, mais vraiment, vraiment. Alors d'un grand jeu, voilà, c'est devenu une bouse. Fraîchement, les gars. Non, mais... Alors, qui parle du remake de Resident Evil 4 encore aujourd'hui? Je sais pas. À part avec les modeurs qui mettent à moitié la nana à poil avec des tenues complètement dingo, là. J'ai vu comment elle s'appelle. Ada Wong, là. Ada Wong en string ficelle avec des porte-jartelles qui tue tout le monde avec son couteau. Voilà, bon, c'est les seules vidéos de Resident Evil 4 Remake intéressantes un peu. Après, j'ai pas vu les vidéos de Léon en string ficelle et porte-jartelle. Alors, ils ont pas fait ça, étrangement. Ah là, ça, c'est de l'homophobie de ouf, ça. Après, je crois pas que. Voilà, Léon en string ficelle. Je sais pas. Mais j'allais dire que c'était peut-être pas le top. Peut-être en boxeur. Avec le torse huilant, un peu un effet de texture huilant sur la peau, sur Léon. Et un skin de Léon un peu musclé. Parce que là, dans Resident Evil 4, Léon est joueur de cricket. Voilà, c'est pas le joueur de basketball ou de football américain, mais pas du tout. C'est le Léon bidon, quoi. Qu'est-ce qu'il est bidon, le Léon de Resident Evil 4? J'adorais la tête qu'il avait dans l'ancien. Enfin bref, on n'est pas sur une vidéo Resident Evil 4 Remake. Non, non merci, pas plus d'une fois. Si vous voulez vous marrer, vous pouvez voir mon let's play de Resident Evil 4 Remake. C'est du grand art. Alors, le forgeron... Alors, coucou. Alors, je l'aime bien, ce forgeron, il est sympathique, il a la tête verte à moitié. Il est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah, zut alors. Bon. Alors, éclat de titanite. Alors, bon, c'est pas l'arme la plus OP du jeu, vous avouerez, celle-là. J'aurais bien voulu une arme un peu... J'ai pas des armes grandioses non plus, hein, franchement. Alors, souvent, il y a un truc que j'ai remarqué dans Dark Souls, c'est le prix comptait beaucoup. Le prix, ça compte. Alors, le prix, souvent quand il y a une arme avec un prix de fou, c'est qu'elle est plutôt bien. Alors, c'est étrange de la part de From Software d'avoir fait ça comme ça. Après, c'est peut-être un repère, voilà, je sais pas. Alors, c'est peut-être la partie sombre de From Software qui est en fait une grande entreprise capitaliste de fou, quoi, qui... je sais pas, j'ai toujours trouvé ça étrange. Alors bon, 1670, après...
Ah, il y a la hallebarde de chevalier bleu. Celle-là, elle est tellement jolie que j'aime bien jouer avec. Bon. Après, je peux pas augmenter mon arc. Non, des os de dragon pétrifiés. Non, mais non. Ah, mon bouclier, ça, je peux. J'en ai plein en plus des comme ça. Alors, je l'aime bien ce bouclier. Il est pas très costaud, ma foi. Alors, vas-y, on va augmenter à fond celui-là. Éclat de titanite. On est quasiment à 80 en. Parce que comme il a un régène de comment on appelle ça, d'endurance de fou, ce truc-là, bon, je peux plus augmenter ma masse. Le fouet, le fouet. Ah, vous êtes des joueurs de fouet ou quoi? On reconnaît les vrais joueurs de Dark Souls s'ils aiment les fouets épineux, quoi, le fouet tranchant. Ah, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous, mais on a des grands fragments de titanique. Ah, je sais pas si c'était vraiment très malin d'augmenter ce truc-là. Bon. Après, je vous dis, j'aime bien ce bouclier parce qu'il a des défenses de fou en poison 96, comment ça s'appelle, tranchant, là, saignement 84. Il a vraiment des défenses de fou, ce bouclier. En physique, il est pas terrible, alors en magie 76. Pour ça, je me suis dit que j'allais investir dedans. En plus, il n'est pas lourd. Il fait 4 en poids, 4 kilos. Voilà. Et en plus, il a ce truc-là, c'est marqué récupération de constitution, ce qui est très bon dans Dark Souls 2, parce que franchement, la constitution dans Dark Souls 2, c'est voilà, c'est pas ça du tout, quoi. Vraiment, genre, tu fais. Attends, on va tester un peu. 1, 2, 3. Et là, on vide la barre d'endurance. Oh, ça va. Mais je sais pas combien de trucs qui est. J'ai deux trucs ou trois trucs qui remontent là. La constitution, quoi. Donc mon fameux bouclier qui me lâche pas. Donc oui, j'ai bien fait d'augmenter, voilà. Bon, alors je parle beaucoup. Oui, je sais que je parle beaucoup, mais c'est ça, c'est la joie. Alors, on est parti. Soit la vidéo va durer 50 minutes, hein, je pense. Bah après, comment on a dire, mon chouchou là, celui que j'adore, là, franchement, qui est sous-coté de fou. Les critiques du masque. Voilà, cette vidéo est dédiée aux critiques du masque. Bah, je prends le relais, vieux. Alors, j'ai pas exactement le même talent que toi. C'est vrai. Tu es carrément talentueux et tu as plus de vocabulaire que moi. Je pense que c'est parce que tu lis beaucoup plus, une meilleure culture aussi, plus talentueux. Mais j'ai quand même un côté que tu n'as pas. C'est un peu la folie furieuse. Après, voilà, tu es quelqu'un de très, je dirais. Je pense pas que tu as pris beaucoup de drogues fortes. Je pense que tu as dû être un fumeur de cannabis, un peu, dont je dirais ça, un peu fumeur de cannabis. Mais je te vois mal prendre des trucs vraiment hardcore qui désinguent le cerveau. Je sais pas pourquoi je t'imagine pas faire ça. Ce que j'ai fait, malheureusement, voilà, j'ai malheureusement fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Et je me suis un peu dézingué la santé. D'ailleurs, il me reste 5 dents. Hein, si vous voulez savoir pourquoi j'ai une bouche un peu bizarre dans mes vidéos face cam, c'est parce que j'ai 5 dents, quoi. Il me reste 5 dents. Il m'en reste une en haut. Non, j'en ai, attends. Une, deux. J'ai 2 dents en haut et 4 dents en bas. Ah, mais c'est génial, franchement. Ah, ça fait plus que 5, ça, tu me diras. Ben, j'en ai pas beaucoup, quoi. Vraiment, j'ai pas beaucoup de dents. Et ça, bah voilà, si vous voulez vraiment ne plus avoir de dents à la quarantaine, vraiment avoir une tête de grand-père un peu, parce que là je suis à une dent ou deux dents d'avoir un dentier carrément, quoi. Et bah voilà, faites des soirées techno, bouffez plein de produits avec plein d'acidité dégueulasse dedans, vraiment, et vous allez voir, vous allez vous retrouver avec une tête de grand-père à 40 ans. Alors, pourtant 40 ans, c'est vraiment cool pour draguer les nanas, c'est là où on a un peu les hommes, ont vraiment la cote avec les femmes. Mais voilà, vous avez une tête de grand-père, personne ne vous embrasse parce que personne ne fout de sa langue là-dedans. Et donc voilà, je déconseille fortement de prendre des drogues fortes. Après, voilà, il y a le côté fou furieux, un peu zinzin, un peu rigolo. Voilà. Après, j'ai entendu des gars qui carrément prenaient du LSD, en je sais pas quoi, ils prenaient du LSD en micro-dosé ou quoi, mais j'étais là, mais les gars, vous hallucinez à moitié. Genre 6 mois de LSD micro-dosé, mais alors on en reparle dans 15 ans, mon père, là, franchement. Alors c'est peut-être micro-dosé, mais alors, si c'est pendant 3-4 mois, ça va être un peu chaud, quand même. Je te dis, alors ça peut paraître être une bonne idée comme ça, mais je pense que non. Franchement, je pense que non. Après, si vous n'avez pas d'imagination, les gars, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'imagination, c'est comme ça, je veux dire. Pas non plus, tout le monde ne doit pas être une bête de course d'imagination.
Arrêtez de vous en vouloir pour ça, quoi. Surtout se micro-doser la gueule au LSD. Moi, je connais des gars qui ont fait ça avec des buvards, mais bon, c'était pas micro-dosé, hein. Mais voilà, ils prenaient des buvards tous les jours. Voilà, ils sont en très mauvaise santé, voilà. Ils ont vraiment mal fini. Il y en a, j'en connais un même qui est mort carrément à 24 ans. Donc voilà, bon, le gars abusait de fou. Le gars prenait du LSD tout le temps. Il prenait un peu ça pour des sneakers, un peu quoi. Et voilà, bon, ça n'a pas duré éternellement, quoi. Quand je vois, en plus, les gars font des vidéos YouTube du style vous pouvez commander ça dans tel pays, à tel endroit. Super quoi, génial. Hein, mais ouais, mais bravo. Bah, bon, après, je sais que les jeunes aiment bien faire la fête et tout, mais. J'aurais préféré avoir une bonne dentition, quoi. Vraiment, c'est vraiment. En plus, c'est embêtant quand vous n'avez pas de dents pour manger. Il y a plein de trucs que je peux pas manger. Genre, par exemple, les sandwichs avec du pain un peu dur. Laisse tomber, c'est mort, hein, je peux pas. Moi, c'est obligé d'être du pain bagna ou des trucs comme ça. Ou des wraps, là, des trucs tout mous, quoi. Comme les papis, quoi. Voilà, pas d'autre expression, quoi, vraiment. Donc, je vous déconseille vraiment la drogue. Après, si vous voulez faire des expériences, un peu améliorer votre skill au niveau de l'imagination. Et de comment je dirais d'avoir des réflexions. Déjà, prenez-vous pour un idiot. Dites à la base, je suis idiot, je comprends rien. Là, c'est la base. Ça, c'est la base. Après, dites, il faut que je drague le plus de nanas possible. Faut vraiment que j'ai plein d'expérience. Alors, des fois, vous allez tomber amoureux. C'est un peu le souci. Un peu quand vous draguez des nanas, des fois, vous tombez amoureux. Et voilà, voilà, la nana veut plus de vous. Elle voulait passer une soirée avec vous. Là, vous êtes un peu nul au pieu. Voilà, vous a pas trouvé à son goût. Elle a déjà eu 72 partenaires. Voilà, un de plus, un de moins. Ça change pas grand chose pour elle. Pour vous, c'est toute votre vie qui défile. Mais pour elle, c'est juste, voilà, un body count de plus. C'est comme ça, c'est les femmes, hein. Bon voilà, après vous avez joué, voilà. Mais quand je veux dire, quand on veut vraiment s'inspirer, avoir de l'inspiration, voilà, les femmes c'est le top, franchement les femmes. Bon, ok, elles sont énervantes, je sais, elles pensent pas comme nous, heureusement d'ailleurs, sinon je me vois mal sortir avec quelqu'un qui pense exactement comme moi, ça me saoulerait. Mais vraiment, vraiment, elles sont, comment dire, proches de la terre, quoi. Oula, c'est qui celui-là? Oula, oula, là, 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 oula. C'est quoi ton âme empoisonnée de ces morts, là? Les femmes sont proches de la terre, quoi. L'homme est dans la lune, et la... On dit souvent l'inverse, hein. Mais c'est faux, ça. Je vous dis, les hommes sont proches de la lune, et les femmes sont proches de la terre. Alors, celui-là est complètement stupide. Ma foi, le gars est débile. Il est empoisonné de fou. Alors, on va le laisser mourir. Un petit coup de feu, voilà. Bah, c'est bien. Alors, tu étais très stupide, mon ami. Je te déconseille de faire des sauts dans ces trucs-là. Vraiment, vraiment, non. Il ne faut pas faire ça. Alors vous marchez doucement, voilà. Après, s'il y a un combat un peu dur, ça va être chaud. Alors, c'est quoi? C'est de la boue, c'est du poison. Non, mais non, mais non, mais non. Mais en fait, non, mais non, 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 non. Ah, il va me lancer un poignard dans le dos. Je connais Dark Souls, je connais Dark Souls. Alors, viens par là, toi, mon coco. On va utiliser notre bouclier. Fameux bouclier qui empêche d'avoir des dégâts de poison. Je dis, c'est pas pour rien que j'ai mis des éclats de titanite là-dedans. Mais oui, les femmes sont merveilleuses, quoi. Vraiment, je trouve vraiment. Alors, tu veux pas sauter là-dedans, toi? Eh, mon coco, oh, reviens là! Oh! Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le gars, là? Ah, c'est les dégâts du LSD. Regardez, le gars est parti dans le poison. Non, mais non. Non. Alors, on se méfie des flammes. Voilà, les flammes, c'est jamais sympathique. Alors on va sortir l'arc, hein, parce que là, on va se mettre une gemme de vie, excusez-moi, pour avoir fourché un peu, voilà. Ah, il m'en reste combien des comme ça? Une, d'accord. Bon, c'est pas terrible. Alors on va ramasser le loot. Et il va tirer. Alors tu tires pas? Il veut pas tirer, évidemment, vu que je suis pas en place. D'accord, alors c'est pas celui-là. Alors celui-là va s'éclater dans les trucs de poison. Très bien, mon bonhomme. Alors. Ah bah c'est bien, les gars, c'est super. Ah, les mecs, mais vraiment très intelligents. Vraiment, vraiment du gros skill. Voilà, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Mais je connais le jeu, hein, je l'ai déjà fait, mais j'avais arrêté à un endroit, j'en pouvais plus. À moitié avec l'adaptabilité, j'étais trop nul. Voilà, et le jeu est quand même assez dur. Surtout au début ça va, mais après il devient vraiment dur quand même.
J'adore le boss poison là. Alors, je peux plus le toucher, évidemment. Allez, reviens un peu près de là, mon ami. Attends, attends. Par contre, si Dark Souls serait vraiment only FPS, ça serait un très mauvais FPS parce que la visée est quand même assez calamiteuse. Mais bon, voilà, ça, un moteur de jeu From Software. Alors, je sais pas si, alors From Software ferait un TPS ou un, pas un TPS, mais un FPS. J'aimerais, je serais curieux de voir ça. Après, il y a les Armored Core, mais c'est plutôt un TPS, quoi. Vraiment, j'aimerais bien avoir un FPS de From Software s'ils pouvaient. Je sais pas, changer le délire des TPS, des FPS, parce qu'à chaque coup qu'ils touchent à un truc, eux, ils changent tout le game, donc pourquoi pas les voir faire un TPS, ou un, ah zut, un FPS, ça serait rigolo. Alors, le gars va retirer ses boules de feu. Alors, le gars veut plus repasser. Alors comment je fais pour monter là-dessus sans mourir là avec le poison de ses morts là? Ah, il y a les fameux ennemis de Dark Souls 3 qui sont là, ceux-là, là. Ceux-là, ils donnent des trucs de qui redonnent du poison. Ah, oh, mais vas-y, vise-moi bien là. Voilà, c'est cool. Bon, allez, oh, run de la mort. Alors. Poudre de réparation, super, hein, le troll de fou. Hein. Génial, poudre de réparation, t'as pas un truc pire encore? Alors c'est qui lui? Ouais, ça va, hein, je suis un peu seul en ce moment. Anneau de protection d'acier. Alors oui, mais oui. Alors qu'est-ce donc que cette diablerie? Ah oui, elle devient à moitié, elle perd la mémoire, c'est là, je me rappelle, elle était dans le château bleu là. Ah, ces acteurs anglais, ils sont vraiment bons, hein. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale, my brother must have come here too. Soon I may forget even about him. C'est triste à moitié. If only someone would hear my tale, my brother must have come here too. Alors vous savez quoi? Elle perd la mémoire. On va l'aider. Non mais tu perds la mémoire, Frangine, ne vais pas te laisser. Voilà, un peu de poison, ça va te faire du bien. Non mais moi, j'ai pitié, j'avais pitié, je veux dire quelqu'un qui est. Non mais. Est-ce que vous êtes pour, comment on appelle ça là, déjà quand tu tues les gens à l'avance, là, quand ils souffrent trop? Un sujet très délicat ça aussi. Comment ça s'appelle les gens? Ah, j'ai oublié le nom, on tue les vieux comme ça là. On tue les vieux, genre. Ah, j'ai oublié le nom. Eh mais j'ai mis la pierre là, comment tu moves ça là? Ah, mais alors des fois faut appuyer sur X, des fois faut frapper. Bah, vous êtes gentil, hein, tout jamais la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau là-dedans? Anneau de morsure empoisonnée. Alors ça, je le sens bien. Alors, excusez-moi pour les sensibles qui m'ont vu tuer la pauvre femme qui perdait sa mémoire. Je pense qu'il y avait une quête pour lui redonner sa mémoire. Nanani, on n'a pas le tour, on n'a pas que ça à faire. Franchement, on n'a pas que ça à faire. Alors, on va enlever l'œil maléfique. Est-ce qu'on a celui-là qui résistance au poison? Mais oui, je dis oui. Alors, résistance au poison.
Ah, alors, il tombe bien ce résistance au poison, mais vraiment. Par contre, alors, c'est pas vers là, hein, forcément, c'est pas vers là. Hein. Résistance au poison, pas terrible, hein, franchement. Hein. Alors, est-ce que on en profite pour vérifier s'il n'y a pas un deuxième passage secret dans le passage secret? C'est un peu le style de la maison. Hein. Bon, bah non, non, apparemment non. Bon, allez, allez, on y va, on est parti. Alors voilà, on n'a pas chopé le poison, mais comment on monte ici? Alors je sais plus. Ah, il y a une échelle ici, je crois. Voilà. Oh non, super. Attends. Attends. Alors on se met bien comme ça. Voilà. Tac, tiens. Voilà. Alors, est-ce que je peux passer maintenant? Oui. On va attendre un peu que le poison. Je sens bien le poison qui reste là. Ah non, ça va, ça passe. Alors, ils sont morts les gros. On va récupérer le loot. Le loot. Alors, est-ce qu'il y a un gars ici? Ah, il y a un passage là, bah dis donc. Oh, mais ça, c'est la beauté de Dark Souls, franchement. Mais quel level design de fou furieux. Alors, on dit qu'il est moins bien le level design de Dark Souls 2. Moi, je dis non. Je dis qu'il est très bon. Alors, on va pas aller dans le château tout de suite. On va aller dans ce côté-là. Je sais qu'il y a des passages ici avec des gros balèzes. Attends, il y a combien de chemins? Alors, ça fout un peu le tournis tout ça. Alors, déformation professionnelle. Oh, c'est joli ça. On dirait un peu. C'est pas le truc du boss de Dark Souls 3 là, le fameux mec oublié de tous là. Ah non, c'est le. Attends, on va prendre l'emote. Alors, j'ai jamais été un grand fan de ce gars-là dans Dark Souls 1 parce que j'ai jamais été pote avec lui, mais il est jamais venu m'aider. Ou alors, il est mort tout de suite, ou je sais plus. Le chevalier solaire là, ou alors il m'aidait, et puis je trouvais ça un peu nul parce qu'il me gâchait mon combat. Bon, bref, alors ça c'est pour le multi aussi. C'est dommage qu'ils aient pas fait un espèce de multi offline pour les mecs qui aiment bien jouer à Dark Souls en mode offline, quoi, avec des envahisseurs de tous les côtés. Vraiment, 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 ça aurait été super. Vraiment, ça aurait été super. Parce que je déteste jouer en offline, en online sur Dark Souls. Les mecs arrivent avec des stuff de dingue. Ils font des SL1, ils ont tous les stuff du jeu. Ils te défoncent la gueule. Franchement, c'est insupportable les mecs qui jouent comme ça. Genre, je me rappelle d'un Dark Souls, le gars, il avait tout, quoi. Il avait le masque de la mer, il avait tous les objets de les plus dingos de Dark Souls. Et le gars était niveau 2, 9 ou 10, ou après. Et il s'amusait à exploser les débutants qui arrivaient au début du jeu, tu vois. Le gars était un peu insupportable, quoi. Et il te trollait, il faisait des cibottes de bâtard. Vraiment, le gars était méchant de fou, quoi. C'est pour ça que je joue plus en online sur Dark Souls. C'est bon, ça va, ça va. C'est gentil une minute d'être le gars qui fait rigoler tout le monde, mais... Ah non, non, on est reparti dans la caverne de la mort, là, non, mais non! Alors, on voit rien dans la fumée, là. Oh, zut, alors! J'ai plus de trucs pour... Alors, vraiment, non. Non. Je sais, je suis un gros lâche, mais ça va, j'ai plus de trucs pour me soigner du poison, alors... En plus, il sert à rien cet anneau anti-poison là. Et franchement. En plus, en adaptabilité, je dois être à combien? Je suis pas mal en adaptabilité. Agilité 100. Adaptabilité 24, c'est ma stat la plus haute. Et c'est la résistance au poison, ça, si je me trompe pas. Adaptabilité. Je crois que c'est la résistance au poison. Quand tu augmentes l'adaptabilité, ça augmente la résistance au poison. Enfin bref, ça n'a pas l'air de marcher des masses. Peut-être qu'il y a très haut level, voilà. Alors, on veut de l'action. Alors, je sais que c'est une grosse erreur à pas faire. Faut jamais faire ça dans la vie. Courir vers vraiment. Alors là, on va se tomber. On va avoir. Non, mais non, 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 mais vraiment non. C'était très très mauvaise idée de faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, les gars, on va les troller un peu.
Alors ici il y a plein de gars qui ont du poison quand même. Alors toi, toi tu m'énerves là. D'accord. D'accord. Ok. C'était pas sympa. Vraiment pas. Mais vraiment pas. Mais pas du tout quoi. Bon, bref. C'était la leçon à retenir. Ne faites pas des speedruns quand vous êtes très mauvais à Dark Souls. Vraiment, ne faites pas ça. N'allez pas à l'objectif, tuez les ennemis. Et comme je faisais une vidéo, je me dis, je vais pas tuer tous les ennemis une dixième fois. Enfin bref, voilà, c'est la déformation professionnelle, tout ça. Je vous fais des bisous. Donc c'était épisode 2 sur Dark Souls. Ou 3, je sais plus. J'ai fait ma pleureuse dans l'autre vidéo, là. Allez, je vous fais des bisous à la prochaine. C'était Triclo, c'était Dark Souls 2, c'est le meilleur jeu du monde. Après une vingtaine d'autres, ou avant, je sais plus. Allez, je vous fais des bisous à la prochaine. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Faites des câlins aux gens que vous aimez, vraiment. Votre maman, là, que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, là. Hein? Quand vous avez besoin d'argent, vous l'appelez? Voilà. Maintenant que vous n'avez plus besoin d'argent, vous l'appelez plus? Ben, c'est pas bien. Alors, on appelle sa mère, on appelle son père. Je sais, papa est con, il fait que gueuler. Voilà, il est chiant et toujours à dire qu'on fait de la daube, mais appelez votre père. Voilà, appelez votre vieux père qui va bientôt avoir le cancer de la prostate. Pensez à lui, pensez à votre maman. Voilà, la ménopause, c'est jamais marrant. Alors voilà, voilà, on pense à sa famille, on pense à son petit frère. Voilà, c'est dur avec les gonzesses en ce moment, on est en 2024, les gonzesses sont à moitié cinglées. Donc voilà, voilà, c'est plus les années 2000 où tout le monde était, voilà, bon bref. Allez, je vous fais.